famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Très heureuse de vous reprendre encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo motivation ménage. Je vais vous prendre avec moi pour ma journée du samedi que j'ai passée complètement dans le ménage autour de la maison. Je vais également vous partager le ménage de la chambre de mes visiteurs qui était dans un état juste très très désagréable. Donc si vous avez le ménage à faire, jouez cette vidéo sur votre téléphone, sur votre tablette, pourquoi pas à la télé. Je suis sûre que vous aurez le boost dont vous avez besoin pour accomplir quelque chose chez vous. Si le contenu de la chaîne vous intéresse et que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Je serai plus qu'heureuse de vous compter parmi nous. Je n'irai pas loin sans dire merci à mes anciens abonnés. Donc je continue à filmer pour vous et je vous aime énormément. Je vous dis infiniment merci pour votre soutien infaillible. Alors j'ai commencé mon ménage par ma cuisine. En fait, c'est déjà le printemps et j'essaye déjà de nettoyer l'intérieur de mes cabinets. Dans cette vidéo, je vais faire juste une partie parce que c'était le samedi, les enfants étaient à la maison. C'était juste impossible de faire toute la cuisine en un seul jour. Donc, je vais cibler quelques cabinets, je vais nettoyer l'intérieur et me remettre les assiettes en place. De la cuisine, c'est très important. Ça vous permet de voir l'organisation qui est plus pratique et ce qui ne l'est pas. Donc, vous modifiez, vous arrangez. En fait, c'est très bien de faire le gros ménage comme ça. Et dites-moi en commentaire si vous avez déjà commencé avec votre gros ménage du printemps. De ce côté-là, j'ai fini la première partie du dessus. Je vais faire la même chose en bas. J'ai tout vidé, j'ai essuyé. Ensuite, je vais remettre les assiettes en place. C'est juste satisfaisant de voir les cabinets à l'intérieur bien rangés. Ça fait toujours plaisir de désemballer un nouveau paquet. Et ben la vidéo d'aujourd'hui en collaboration avec Red Road V17 qui est venue avec différentes sortes d'attaches. Là, je vais calmement ouvrir mon aspirateur avec vous. Dans le paquet, j'y avais d'abord l'aspirateur lui-même. Puis le tuyau d'extension, il y avait le chargeur, le double rouleur, un petit tuyau flexible, la batterie, la montre à fixer au mur, bien que je ne vais pas l'utiliser. Le manuel d'instruction, c'est un aspirateur qui est vraiment très efficace. Il est facile à manipuler dans le coin, sur ce point-là en tout cas. Pas des soucis, il rentre aussi en dessous de meubles, je l'ai testé sur la poussière et ça a quasiment tout aspiré grâce à son rouleau brosse. Je l'ai également testé sur les grains, sincèrement, ça a vraiment tout aspiré. Le Red Road V17 est un aspirateur puissant et il se vend à un prix bas. Trois modes au total, nous avons le mode éco, le mode médium et le mode turbo. Moi, j'ai plus utilisé le mode turbo et c'est très, très efficace. Il fait le sol dur et même le tapis. C'est très joli sur le plan esthétique, mais également très pratique, très utile. Par un clic, tout simplement, vous videz le bac à poussière. Franchement, je ne peux que vous le recommander vivement si vous êtes à la recherche d'un aspirateur sans fil à un prix abordable. Et si vous utilisez encore l'aspirateur avec fil,
vous avez besoin d'un aspirateur sans fil. Je vous promets que vous allez regretter d'avoir attendu longtemps parce que l'aspirateur sans fil est tellement facile à manœuvrer. Vous n'avez pas à vous soucier du fil que vous suivez à gauche, à droite ou trouver la prise. Donc, je vous laisse le lien dans la description pour ceux qui sont intéressés. Merci à Red Road d'avoir sponsorisé la vidéo d'aujourd'hui. Je continue entre temps avec le ménage dans mes cabinets en musique. Donc, dites-moi d'où vous me suivez et ce que vous êtes en train de faire exactement au moment où vous êtes en train de regarder cette vidéo. Est-ce que vous êtes en train de nettoyer avec moi ou vous êtes en train de soutenir juste la chaîne ou carrément chercher la motivation pour attaquer un peu plus tard? Les deux cabinets là que vous allez me voir ouvrir à gauche et à droite, j'ai pas touché parce que ce sont des verres que nous utilisons tous les jours, make-up, donc j'ai l'habitude de nettoyer l'intérieur de temps à autre, je vide et puis j'essuie l'intérieur, donc c'était juste propre. Là je vais faire le top là de mes comptoirs et puis je vais réorganiser autrement. Donc j'ai déplacé ce qui était à gauche, c'est venu à droite, ce qui était à droite, c'est parti à gauche. Aussi faire ces deux tiroirs-ci. Donc, j'avais acheté ces séparateurs ici des tiroirs pour mieux ranger les choses. Malheureusement, c'est trop lent et mes deux tiroirs-là sont un peu courts, donc ça n'a pas marché. Je vais essayer de voir si je peux utiliser ça dans mon dresser de la chambre. Si ça ne marche pas non plus, je vais retourner ça. Donc, je vais bien essuyer l'intérieur et remettre chaque chose à sa place. Les tiroirs de mes couverts, j'ai pas tout enlevé, j'ai pas touché à ça parce que mes enfants, ils viennent souvent toucher les couverts. Donc, je les interdis, mais ils touchent souvent. Donc, je fais le ménage ici presque toutes les semaines. Donc, c'était bien rangé, c'était bien propre. Je suis passée rapidement à la petite vaisselle qu'on a utilisé. Donc, quand je faisais le ménage, je prenais beaucoup de pauses pour m'occuper de mes enfants, voilà, pour qu'ils soient juste de bonne humeur et qu'ils me permettent d'évoluer pour le reste de la journée. Et comme j'avais le gros ménage dans ma chambre des visiteurs, je vous ai dit tantôt que c'était dans un état chaotique. Donc, il fallait que les enfants soient bien full, qu'ils soient juste détendus, qu'ils s'occupent en train de jouer. Comme ça, maman évolue un peu plus rapidement.
Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, j'aime bien nettoyer l'intérieur de mon évier. Quand ça brille, ça vous donne juste l'impression que vous êtes dans une maison très, très propre. L'évier sale, ça donne vraiment pas envie même de laver les mains. Donc, j'aime bien nettoyer mon évier et je l'ai fait tous les jours. J'ai bien dit tous les jours. Parfois même 2 ou 3 fois par jour, l'évier est très sollicité pour la vaisselle, laver les mains, laver les légumes, voilà, pour cuisiner. C'est quelque chose que je nettoie tous les jours et c'est là plusieurs fois. J'évoluais petit à petit, j'ai essuyé les assiettes et à un moment donné, ma copine avait juste besoin de la chaleur maternelle. Je vais la prendre avec moi et juste continuer à son rythme. Voilà, qu'elle est partie rejoindre les autres pour jouer. Je vais continuer dans mon salon. Oh, elle est venue encore. Donc, on va essuyer la table ensemble. Je vais aller essuyer mon miroir. Qu'elle touche à tout moment, d'ailleurs les trois, hein, les trois touchent ce miroir-là à tout moment, la porte-là, c'est à tout moment qu'il touche. Donc, j'ai essuyé l'intérieur et l'extérieur de mes fenêtres, juste un ménage rapide. En face de chez moi, il y a les chantiers, du coup, il y a trop de poussière. Donc, essuyer comme ça fait juste du bien. La maison est bien claire avec la lumière. C'est le printemps, le beau temps. Je vous fais un petit tour avant de conduire jusqu'à Dollar Tree où je devais prendre des produits pour venir attaquer avec le gros ménage dans la chambre de mes visiteurs. Donc voilà, la maison était juste propre, calme. On dirait pas que les enfants habitent ici, voilà. Donc ils étaient en train de jouer dans le garage où j'ai mis tous leurs jouets. Donc ils s'occupent calmement et moi je fais mon ménage. Donc voilà, donc quand j'ai terminé avec le ménage dans les mains arrière, je suis partie à Dollar Tree prendre les produits que je devais utiliser pour désinfecter les toilettes, nettoyer, faire le gros ménage en fait dans la chambre de mes visiteurs. D'accord, nous sommes dans la chambre de mes visiteurs. Ici, je vais vous épargner des détails, mais la chambre était sérieusement sale. Quand je dis sérieusement sale, c'était vraiment sérieusement sale. J'ai pris d'abord le temps de ramasser, voilà, enlever tout ce qu'il y avait comme saleté. Je suis partie à Dollar Tree acheter les produits pour venir nettoyer correctement la chambre. Et là, je vous fais un petit tour pour que vous voyez le avant et le après. Là, la cuvette n'avait pas de pipi, mais ça a carrément changé des couleurs. Donc voilà, on va nettoyer tout ça et la chambre va devenir propre et juste bien rangée pour mon prochain visiteur. Donc j'ai pas voulu tout filmer, mais vous avez quand même une idée de à quoi ressemblait la chambre. Il me fallait juste des gants pour nettoyer ici parce que je voulais pas toucher avec mes mains. Donc pour le lit, j'avais mis le bicarbonate de soude même avant de sortir. J'ai laissé asseoir, après j'ai aspiré, j'ai mis protection matelas propre, voilà. Et là, je vais faire d'abord le lit et puis attaquer avec la douche. Une chose que je n'aime pas faire, c'est repasser les draps. Je repasse rarement les draps. C'était le cas ce jour-là. J'étais trop busy. Il y avait beaucoup de choses à faire, donc j'ai pas repassé comme d'habitude.
tableau que vous me voyez mettre là, suspendre au-dessus du lit, je l'avais bricolé seul. C'était un vieux tableau avec des couleurs bizarres. Et comme cette chambre est trop noire et blanche, je me suis dit, je vais mettre le blanc partout et puis je vais essayer un peu de bricoler avec des dessins noirs au-dessus. Et ça nous donne ça. Donc, au lieu de pouvoir le jeter, je l'ai transformé et je continue de l'utiliser et j'aime énormément. J'ai laissé cette partie en vitesse normale, comme ça vous voyez comment je peux être slow quand je suis fatiguée. Je n'arrive pas à faire les choses rapidement, donc je devais le faire parce qu'on s'attendait à une autre visite. Donc je suis en train de me forcer pour pouvoir finir le ménage dans cette pièce. Je le faisais tout doucement. Il y avait aussi des taches sur les murs. À un certain moment, je vais prendre un peu des peintures. Je vais mettre un peu partout là où il y avait des taches. Comme ça, la chambre devient juste parfaite.
La fenêtre, tout le temps que j'étais là en train de faire le ménage, elle est restée ouverte. D'ailleurs, toute l'après-midi, question juste de renouveler l'air, rafraîchir un peu la pièce, voilà. Donc, j'ai laissé la fenêtre ouverte et je l'ai fermée vraiment très tard la nuit. Donc, elle est ouverte actuellement et puis c'était resté ouverte comme ça toute la soirée. Après avoir bien frotté et bien rincé avec Ajax, la douche brille des mille feux. Je vais passer à la cuvette. J'ai également utilisé Ajax. J'avais mis aussi le spray désinfectant un peu partout dans la pièce et même au-dessus de la cuvette. Je vais bien brosser l'intérieur, rincer, essuyer le siège là et puis ça va juste briller des mille feux. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, pour la douche, commencez par l'endroit le moins sale vers le plus sale. Donc, j'ai commencé par l'évier et puis j'ai fait la douche ou le bathtub, ensuite la cuvette. J'ai préféré utiliser les lingettes désinfectantes pour essuyer ma cuvette. Comme ça, il n'y a pas de nettoyage encore à faire après. Donc, je les utilise juste et puis je jette. C'est tout. Là, je vais mettre juste quelques cintres dans le closet de mes visiteurs. Voilà, j'avais déposé déjà la télécommande à côté. Je vais mettre les essuies. Je vais mettre le gel de douche, l'éponge, voilà. J'ai tout acheté à Dollar Tree parce que c'est moins coûteux. Avec un petit budget, tu peux acheter les stricts nécessaires, les parfums pour les toilettes, voilà. Juste équiper un peu la petite pièce, comme ça sent bon, c'est propre. And just inviting. Thank you.
C'est par ces images que nous allons nous dire au revoir pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va énormément vous motiver. Si vous avez de gros ménages à faire, vous avez un endroit que vous avez l'impression juste d'être très difficile à nettoyer, j'espère que cette vidéo va vraiment vous donner un boost pour que vous puissiez enfin attaquer le jour suivant, le dimanche. Donc j'ai fait du bon fond bois, mais la recette sera postée sur Instagram. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, suivez-moi pour ne rien rater. Moi, je vais vous retrouver par ici dans la prochaine vidéo avec le même plaisir. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.